Au lycée Le Comte de Lille. C'est ma première rentrée, en quelque sorte, malgré mon grand âge. Je suis évidemment extrêmement ravi d'être là. Je suis arrivé il y a une semaine seulement. Donc je découvre encore Lille et toutes ses problématiques, ses difficultés, mais aussi son extraordinaire dynamisme, y compris dans le domaine scolaire, avec des résultats tout à fait encourageants pour énormément d'élèves. Et je souhaite, ça je vous le dis, je souhaite être un recteur sur le terrain. Je souhaite être un recteur le moins possible dans son bureau et le plus possible sur le terrain, dans les établissements, dans les territoires, avec les associations, avec les parents d'élèves, dans le dialogue social et dans le dialogue tout court. Alors justement, vous avez certainement pu échanger avec l'ancienne rectrice, Madame Bonisso, sur les problématiques. Qu'est-ce qu'elle vous en a dit? Alors, elle est. Bon, d'abord, Chantal Mannes-Bonisso a fait vraiment un très très bon travail avec un plan stratégique 21-25 de l'Académie qui est excellent. Je vais m'inscrire évidemment dans la continuité, pas recommencer à zéro, ce qui a été fort bien fait. Il y aura évidemment, et ça c'est lié au tempérament et puis aux expériences de chaque recteur, des inflexions, peut-être dans le domaine international, avec des ambitions encore plus fortes. Mais globalement, je compte m'inscrire dans les pas de la rectrice. Par exemple pour l'enseignement des langues. Vous savez que la rectrice était spécialiste d'enseignement des langues, les langues, le créole et toutes les autres langues, évidemment en lien avec le français.